Les Grecs. Un peuple glorieux, arrogant, valeureux et opiniâtre. Un peuple qui, il y a bien longtemps de cela, posa les jalons de la civilisation occidentale. Les monuments, dont il ne nous reste que les vestiges, ne sont pas sans rappeler les deux siècles probablement les plus importants de leur histoire. Une époque où la science, la politique, la philosophie, la littérature et le théâtre virent le jour. Sans oublier un art et une architecture encore inégalés aujourd'hui. Les Grecs développèrent ces domaines dans un contexte de guerre et de conflits perpétuels. Ils mirent en échec de nombreuses armées et de nombreuses flottes. Des empires gigantesques s'inclinèrent face à leur puissance, leur permettant de bâtir leur propre empire bien au-delà de la Méditerranée. Pendant une courte période, la puissante marine grecque contrôla le bassin méditerranéen et offrit au peuple grec une prospérité jamais égalée. Les prouesses que les Grecs réalisèrent et qui façonnèrent le monde tel que nous le connaissons ne sont pas l'œuvre d'anonymes oubliés dans la nuit des temps. Elles sont le résultat du travail de femmes et d'hommes illustres, dont le souvenir est encore vivace et dont les vies demeurent des exemples. Des personnalités de la trempe de Thémistocle, l'un des plus grands militaires de l'humanité. Périclès, politicien génial et visionnaire. Socrate, le plus grand philosophe de l'histoire. Voici l'histoire de ces incroyables personnalités historiques, ainsi que celle de la grandeur et la décadence d'une civilisation qui contribua à modifier la face du monde. Avant Jésus-Christ. Des mouvements de foule agitent les rues d'une minuscule cité située sur le continent grec et nommée Athènes. Le peuple se révolte contre ses dirigeants et exige la liberté après des siècles d'oppression. À l'écart, un homme observe. C'est un aristocrate athénien du nom de Clisthène. Depuis son plus jeune âge, Clisthène est élevé pour diriger la cité et mépriser le peuple. Mais cette nuit d'insurrection populaire marquera sa vie à tout jamais. Et constituera un tournant majeur dans l'histoire de la Grèce et de la civilisation occidentale. Dans un élan de lucidité, Clisthène comprend que le peuple doit être libre et avoir la possibilité de façonner sa propre destinée en se gouvernant lui-même. Cette prise de conscience lui permettra de conduire ses compatriotes sur le chemin de l'Empire. Les historiens s'accordent à dater la naissance de Clisthène vers 570 avant Jésus-Christ. Sa sympathie pour le peuple peut surprendre lorsque l'on sait qu'il est issu d'une des familles grecques les plus fortunées et qu'il vécut dans ce qui était considéré à l'époque un palais.
Clisthène appartient aux Alcménoïdes, une riche et très ancienne dynastie politique. Il a grandi dans un environnement privilégié. Un monde où les hommes appartenant à l'élite sociale étaient en droit d'attendre que certains privilèges leur soient accordés. L'origine de la fortune des Alcménoïdes est typique des mythes de la Grèce antique, où légende se confond avec réalité. Selon Hérodote, premier historien grec, le grand-père de Clisthène aurait rendu un service à Crésus, un grand roi d'une richesse incommensurable. En guise de remerciement, il fut autorisé à puiser dans son trésor autant de poudre d'or qu'il désirait. Hérodote relate que l'ancêtre de Clisthène ne se contenta pas de remplir ses poches. Il remplit également ses oreilles et sa bouche de poussière d'or qu'il déversa ensuite sur sa tête. Crésus, très amusé par cette facétie, lui permit de conserver tout cet or et lui en offrit davantage. Quelle que soit la véritable origine de la fortune de la famille de Clisthène, il ne fait aucun doute que celle-ci l'utilisa pour conquérir le pouvoir. Dès sa plus tendre enfance, les parents de Clisthène ne cessent de lui rappeler qu'il est aristocrate, terme de grec ancien qui désigne un membre de la classe dirigeante. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le village natal de Clisthène est administré par une aristocratie omniprésente. Ce modeste village a pour nom Athènes. Athènes est située au centre d'une péninsule méditerranéenne, baptisée à l'époque Hellas, plus connue aujourd'hui sous le nom de Grèce. À l'époque, personne n'aurait jamais imaginé que ce minuscule village devienne un jour la capitale d'un immense empire. Ce n'était pas ce qu'on pourrait appeler une cité. Bien qu'Athènes soit dotée de bâtiments publics en son centre, c'était plutôt un village principalement composé de logements et d'habitations. Le village est construit autour de l'Acropole, un promontoire rocheux et escarpé. Faisant office de forteresse, il permet aux Athéniens de repousser les attaques des cités voisines. Les rues étroites qui l'entourent renferment les habitations modestes de fermiers et d'artisans. La plupart des maisons étaient construites en briques de terre crue. Il n'y avait pas d'égout, pas d'enlèvement d'ordures. Athènes ressemblait fortement à un village du tiers-monde. Son odeur devait se sentir à des kilomètres. La vie quotidienne des hommes se résume aux travaux agricoles ou à la réalisation de diverses tâches artisanales élémentaires. Les femmes, quant à elles, passaient leur journée cloîtrées à cuisiner, à filer la laine et à tisser. Au sein de cette classe populaire, l'écriture et la lecture sont des savoirs très peu répandus. Elles ne disposent d'aucune connaissance relevant, de près ou de loin, du domaine de la science ou de la médecine. L'espérance de vie à l'époque ne dépasse pas 15 ans. Affirmer qu'au temps de la Grèce antique, la vie était sale, brutale et courte n'est pas loin de la réalité. En effet, la vie était extrêmement rude. La société grecque n'a rien d'égalitaire. Le peuple vit sous le joug d'une aristocratie composée d'hommes comme le père de Clisthène.
Le milieu dont était issu Clisthène était un milieu traditionnaliste, où le pouvoir politique se concentrait à une poignée de personnes. L'intérêt envers la condition du bas-peuple était aux antipodes des préoccupations des élites grecques. Le philosophe grec Aristote décrit un monde gouverné par l'injustice. La terre était tout entière entre les mains d'un petit nombre d'hommes, et ce qui causait la plus grande souffrance au peuple était son état de servitude. Mais il avait bien d'autres sujets de mécontentement, car à vrai dire, il s'irritait de ne pas avoir sa part de terre. Athènes était, d'une certaine manière, organisée à son désavantage. Une partie de la population, l'élite aristocratique, détenait le pouvoir aux dépens du reste des citoyens. Dirigée par des aristocrates uniquement préoccupés par la conservation du pouvoir, Athènes n'a rien d'un état susceptible de construire un grand empire. Pas plus que la péninsule grecque. D'un point de vue géographique, la Grèce ne présente pas les caractéristiques d'une terre propice à permettre la naissance d'une grande civilisation. C'est un pays très montagneux. Contrairement aux autres grandes civilisations et aux autres grands empires de l'Antiquité, la Grèce ne présente pas d'unité physique. Les grandes civilisations de l'époque de Clisthène ont vu le jour sur les plaines fertiles des rives des grands fleuves pour s'étendre bien au-delà. Au sud de la Grèce, les crues régulières du Nil permettent à la civilisation égyptienne d'exister depuis presque 2000 ans. À l'est s'étend le très vaste empire perse, dont le cœur est formé par deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Lieu de naissance des premières civilisations. Et berceau des premières villes de l'histoire de l'humanité. La Grèce est dépourvue de grandes plaines et compte de nombreuses chaînes de montagnes. Sa côte est parsemée d'innombrables îles. Conquérir un territoire aussi accidenté relève de l'impossible. C'est la raison pour laquelle la Grèce est divisée en nombreuses minuscules nations, appelées cités-États. Chacune d'elles est farouchement indépendante et dotée d'une histoire et d'une culture qui lui est propre. À l'époque de Clisthène, on compte plus d'un millier de cités-États, s'affrontant entre elles dans des luttes de pouvoir et de territoire. Au cours de la période classique, la Grèce n'a jamais fait preuve d'unité politique. Chaque polis, c'est-à-dire chaque cité-État, cherchait à conserver son indépendance. Cela fonctionnait quelquefois, mais pas toujours. Au début du 6e siècle avant Jésus-Christ, Athènes fait partie des nations les plus faibles. Contrairement à Argos, qui est parvenu à maintenir sa prédominance pendant plus de 10 siècles et dont l'origine des citoyens remonte à l'époque mythique de la guerre de Troie. Les Corinthiens, eux, dominent le commerce maritime et sillonnent les quatre coins de la Méditerranée en transportant des marchandises provenant d'Égypte, d'Assyrie et d'Italie. Mais de toutes les cités-États, une seule détient le pouvoir militaire. Un pouvoir capable de soumettre toute la Grèce de l'époque de Clisthène. Au sud de la Grèce, près des roselières du fleuve Eurotas, se trouve la cité de Sparte.
Dès la naissance, les Spartiates sont éduqués pour devenir des soldats. Élevés à la campagne et séparés de leur famille, leur vie tourne autour de la discipline et de la guerre. Les Spartiates vivaient en caserne et étaient élevés pour devenir des militaires. Privés de tout confort, ils ne possèdent rien, hormis leurs armes et leurs capes teintes en rouge afin de dissimuler leur sang ainsi que celui de leur ennemi. Les Spartiates étaient formés pour affronter n'importe quel ennemi. Il existe toutes sortes de légendes à leur sujet, dont la plus remarquable est celle d'un sybarite qui visite Sparte et qui, après avoir goûté la nourriture des Spartiates, comprend alors pourquoi ces derniers ne craignaient pas la mort. Pour lui, la mort n'était rien à côté de leur nourriture. Les Spartiates sont des conquérants implacables. À l'époque de Clisthène, ils ont déjà conquis les régions avoisinantes, soit plus de 4000 km², et réduit les populations soumises à l'état d'esclavage. Ces dernières sont baptisées ilotes. Soumis à une surveillance particulièrement sévère, les ilotes sont condamnés à la réalisation de travaux agricoles pour le compte de leur maître. Chaque année, les Spartiates déclaraient la guerre aux Ilotes, en partie dans le but de renforcer la nature guerrière de la communauté, mais également dans le but calculé de maîtriser leur population. C'était une pratique très régulière. À cette époque, Sparte présente toutes les caractéristiques d'une cité capable de bâtir un empire. Aux yeux des autres cités-états, les Spartiates constituent une menace permanente. Telle est la Grèce de la jeunesse de Clisthène. Élevé pour grossir les rangs d'une élite égoïste, il est malheureusement originaire d'une cité de second rang. Un contexte peu propice pour permettre à un homme de conduire la Grèce sur le chemin de l'Empire. Mais Clisthène est habité par un idéal. Un rêve de grandeur que seuls les hommes grecs peuvent réaliser. Clisthène et ses compatriotes sont fortement influencés par les mythes et les vieilles légendes. Des centaines d'aèdes sillonnent le pays et déclament ces légendes à qui veut bien payer. À une époque où l'écriture est peu développée, ces poètes sont capables de garder en mémoire des millions de vers. On sous-estime trop souvent la capacité de la mémoire humaine, surtout à une époque comme la nôtre, où les techniques d'enregistrement sont légion. Avant même de disposer d'un alphabet, les Grecs étaient capables de mémoriser de très nombreux vers de poésie et les transmettaient de génération en génération de manière remarquable. Ces aèdes errants se rendent régulièrement à Athènes, alors que Clisthène est encore enfant. Celui-ci est fortement influencé par les récits qu'il entend. Deux poèmes très populaires sont parvenus jusqu'à nous, l'Iliade et l'Odyssée, composés par le célèbre poète Homère. Ils évoquent de violentes batailles et des combats épiques. Dont les
principaux protagonistes sont des héros. Des personnages mythiques dont la force leur confère le pouvoir et la gloire. Par définition, si je puis dire, les héros réalisent de grands exploits. Plus ils coupent de tête, plus ils déflorent de jeunes femmes, et plus leur réputation de héros grandit. La représentation de ces héros fait partie intégrante de l'art grec. Ces guerriers téméraires d'une grande beauté et prêts à tout pour obtenir la victoire représentent l'homme grec idéal. L'idéal héroïque est omniprésent dans la culture grecque. Les héros sont des personnages exceptionnels dont on veut imiter les exploits en s'inspirant des prouesses d'Achille, par exemple. Achille est l'archétype du héros grec. Enfant, il doit choisir entre une vie longue et ordinaire ou une gloire éphémère sur le champ de bataille. Il choisit une mort précoce et une célébrité éternelle. Cette vision du héros, cet idéal de l'homme d'action, constitue un modèle que Clisthène se verra enseigner tout au long de sa jeunesse. Une vie en quête de grandeur et de gloire, obtenue par la force et la bravoure. Dans le but de conquérir le pouvoir, de remporter une victoire personnelle, et de devenir ainsi un véritable héros. Mais Clisthène n'est pas le seul grec à s'identifier au personnage homérique. Un grand changement va se produire au milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ. Un homme va s'emparer du contrôle du gouvernement et devenir ce que les Grecs appellent un tyran. Grâce à Hérodote, nous savons comment le tyran est parvenu à accéder au pouvoir. Un jour, un homme à l'allure digne et noble pénétra à cheval à l'intérieur de la cité d'Athènes. Accompagné d'une grande et belle femme, il la présenta comme étant Athéna, la déesse d'Athènes. Le fringant cavalier exigea que lui soit remis le contrôle de la ville, car à l'image d'un des héros des épopées d'Homère, il bénéficie de la protection d'une déesse. Étonnamment, les Athéniens l'accueillirent chaleureusement et le considérèrent comme leur nouveau chef. Peu importe si la déesse en question n'était qu'une jeune femme originaire du village voisin et exceptionnellement grande. Et le sémillant héros, un simple mortel du nom de Pisistrate, beau-frère de Clisthène. Je considère Pisistrate comme un excellent politicien. C'était sans aucun doute un homme d'un grand opportunisme. Tandis qu'il consolide son autorité, il apparaît clairement que Pisistrate nourrit des ambitions plus grandes encore que la simple conquête du pouvoir.
Pisistrate était un homme extrêmement intelligent. Il avait parfaitement compris que s'il voulait conserver le contrôle d'Athènes, s'il voulait consolider son pouvoir et le transmettre à ses fils, comme telle était son ambition, il devrait trouver des alliés. Pisistrate prend alors une incroyable initiative. Il se tourne vers le peuple d'Athènes en quête de soutien. Et bouscule une hiérarchie composée d'aristocrates et de roturiers, accoutumés au pouvoir depuis plusieurs siècles. Pisistrate décide de réduire les impôts et procède à l'instauration de prêts gratuits pour permettre au peuple de construire des fermes. En donnant aux Athéniens la possibilité d'accéder à la prospérité, Pisistrate commence à transformer la cité. Sous Pisistrate, le développement de l'agriculture à Athènes s'accélère. C'est un phénomène qui ne va cesser de grossir au cours des deux siècles suivants. La culture de la vigne et de l'olivier va fortement se développer. L'olivier est présent dans tous les aspects de la culture grecque. La population est autorisée à consommer des olives, ainsi que de l'huile d'olive, de s'en servir comme graisse, comme savon ou comme combustible. D'un point de vue économique, c'est un produit d'une très grande valeur. Les terres qui entourent Athènes produisent les meilleurs oliviers de toute la Grèce. Face à l'accroissement de la production d'huile d'olive, les Athéniens vont trouver un débouché économique très lucratif pour ce produit. Ils ne se contenteront pas de la vendre dans les autres cités grecques. Ils franchiront la Méditerranée pour commercer avec l'Égypte, la Phénicie, la Perse et la Syrie. Athènes est idéalement située pour exporter ses produits dans la partie orientale de la Méditerranée. La Grèce est située au milieu de plusieurs civilisations très anciennes. Elle est entourée à l'est par l'Empire perse, au sud par la civilisation égyptienne et à l'ouest par les Étrusques et les Romains. Les Grecs, eux, sont disséminés un peu partout. Platon les comparait d'ailleurs à des fourmis ou des grenouilles autour d'une mare. À l'Antiquité, la partie orientale du bassin méditerranéen constitue la plaque tournante du commerce international. Différents produits sont exportés des quatre coins de la région. Des céréales de Scythie, du poisson salé de la mer Noire, du vin des grands vignobles de l'île de Chios, de l'or, de l'argent, des objets d'art et des parures d'Égypte. Et bien évidemment, de l'huile d'olive d'Athènes. Grâce à l'activité débordante du port d'Athènes, la population voit ses richesses et sa prospérité accroître. Néanmoins, l'effet le plus étonnant de la soudaine expansion de la cité est à trouver dans les sombres ateliers de ses artisans. Là où le plus ancien héritage artistique d'Athènes a vu le jour, le vase. Ce qui est remarquable avec la céramique, c'est qu'à l'époque, on ne lui attribuait pas une grande valeur artistique. Le contenu était bien plus prisé que le vase lui-même. C'est ici, dans le quartier du céramique, ancien quartier populaire d'Athènes, que les potiers avaient leur atelier. Ces nombreux artisans appartenaient à la catégorie la plus basse de la société athénienne. Je ne dirais pas qu'il faisait partie de la lie de la société, mais à Athènes,
Les potiers n'avaient droit à aucun respect. Leur travail était dur, incessant et peu envié au sein de la population. À l'Antiquité, la céramique est une matière utilisée depuis des centaines d'années dans les foyers grecs, ainsi que pour le transport de l'huile et de la nourriture. De conception basique, le vase est décoré de motifs géométriques simples, inspirés de l'art égyptien et assyrien. Les potiers athéniens vont apporter une touche personnelle en développant un tout nouveau style de peinture, d'une fraîcheur et d'un naturalisme encore jamais vus jusqu'alors. Un style qui suscite encore l'admiration de nos jours. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir un vase grec atteindre une valeur de plusieurs millions de dollars sur le marché des antiquités. Si les potiers qui les ont fabriqués voyaient cela, ils se retourneraient dans leur tombe, soit de colère ou soit d'hilarité. Les potiers athéniens furent moins motivés par la postérité que par l'émulation artistique. Pour preuve, ce vase, dont la décoration est agrémentée d'une fière remarque telle que « Euthymide, fils de Polias, a dessiné ceci ». Et plus bas, Euphronias n'aurait probablement pas fait mieux. Pour la première fois de son histoire, le peuple athénien goûte à la liberté et démontre sa capacité à réaliser de grandes choses. En grandissant sous le règne de Pisistrate, Clisthène aura été témoin du changement qu'a connu Athènes. Son modeste village natal s'est à présent transformé en un port économique de renommée internationale. La tyrannie bienveillante de Pisistrate ne durera pas éternellement. Il meurt en 527 avant Jésus-Christ et sera enterré ici, dans le cimetière d'Athènes. Son fils, Hippias, lui succédera. En début de règne, Hippias poursuit l'œuvre de son père et gouverne Athènes de manière impartiale. Hélas, très vite, les habitants découvrent la dangereuse nature de la tyrannie. En 514 avant Jésus-Christ, le frère d'Hippias est assassiné. Fortement ébranlé par cette perte, le comportement du jeune tyran change radicalement. Il cède à la cruauté. Il fait exécuter les meurtriers et fait également torturer à mort une de leurs femmes. Aristote évoque la façon dont le tyran sombra dans la folie. Dès lors, sa tyrannie devint de plus en plus dure. Pour venger son frère, il mit à mort nombre de citoyens, en chassa beaucoup d'autres. Tous le prirent en défiance et en haine. Les libertés dont jouissait le peuple d'Athènes sous Pisistrate disparurent. Dorénavant, Athènes vit sous la tyrannie, une tyrannie telle que nous la concevons à notre époque. Pisistrate a voulu le pouvoir parce qu'il avait une cause, pas son fils, qui ne se soucie que de le conserver dans son propre intérêt.
Pour Clisthène, la vie devient progressivement plus dangereuse. Le dictateur paranoïaque sait que le plus grand danger qui menace son pouvoir provient de l'aristocratie. Et ses craintes sont fondées. Face au durcissement de la tyrannie, le moment semble venu. Clisthène décide de prendre son premier grand risque. Il veut tenter de renverser le pouvoir dans son propre intérêt, ainsi que celui de sa famille. L'ambition que nourrit Clisthène de marquer l'histoire de son nom l'habite bien évidemment depuis son plus jeune âge. Il n'a pas oublié les exploits des héros mythiques, leur capacité à vaincre et à frapper juste au moment voulu. Pour Clisthène, il s'agit d'un aboutissement. Il fomente un complot destiné à renverser le tyran. Hippias sera piégé dans sa forteresse. Capturé, il est banni d'Athènes à jamais. Nous sommes en 510 avant Jésus-Christ. Clisthène fait, à présent, partie des personnalités les plus puissantes d'Athènes. Il est parvenu à réaliser un exploit digne des héros homériques qui ont bercé son enfance. Mais la société grecque a changé. L'idéal héroïque qui habite Clisthène depuis tout jeune n'est plus l'apanage des élites. Il touche toutes les strates de la société grecque. Voici Olympie, dans le sud de la Grèce. C'est ici, tous les 4 ans, que de jeunes hommes venus des 4 coins du pays se réunissaient pour participer à une grande compétition athlétique. L'ancêtre de nos Jeux olympiques. Pour Pausanias, voyageur et géographe de l'Antiquité, les Jeux olympiques constituent le prétexte premier de tout voyage en Grèce. Il y a dans la Grèce beaucoup d'autres choses qui remplissent d'admiration ceux qui les voient ou qui en entendent parler. Mais on dirait que les dieux s'occupent plus spécialement des mystères d'Éleusis et des Jeux olympiques. Les Jeux olympiques furent créés en 776 avant Jésus-Christ, soit 2 siècles avant la naissance de Clisthène. À l'époque, la participation aux épreuves est réservée aux Grecs les plus riches. Mais du vivant de Clisthène, il n'en est plus de même. Tout le monde peut y participer. Un noble peut être opposé à un potier et un roi à un simple poissonnier. Les Jeux olympiques étaient l'occasion pour n'importe quel Grec de faire preuve d'héroïsme à l'image des héros d'Homère. Les épreuves exigent les mêmes qualités que celles nécessaires sur le champ de bataille. Course de chars, course à pied, lutte, boxe. Ici, il n'y a pas de véritable récompense, hormis une couronne d'olivier et une célébrité assurée dans toute la Grèce. Les athlètes concouraient face à un public très nombreux. C'était l'unique occasion de voir autant de Grecs réunis en temps de paix. Environ 40 000 Grecs venaient assister aux Jeux olympiques. Les
les Grecs parcouraient des centaines de kilomètres pour venir assister aux Jeux. Il n'était pas rare de voir s'établir des campements aux abords des stades. Les Jeux sont une affaire d'hommes. Les femmes ne peuvent pas y participer. L'entrée du stade leur est même interdite. Pour un athlète, quelle que soit sa classe sociale, une victoire aux Jeux Olympiques représente l'aboutissement d'une vie. C'était la possibilité de vivre un bref moment de gloire et une incommensurable renommée, ce qui était très valorisé dans la culture très élitiste des Grecs. Grâce aux Jeux Olympiques, les Grecs trouvent une façon civilisée de satisfaire leur idéal d'héroïsme. Ils établissent ainsi une méritocratie basée sur l'aptitude et le talent, où chacun a sa chance. Mais une société où tout le monde peut vaincre ne peut que contribuer à rendre Athènes encore plus instable. À peine Clisthène conquiert-il le pouvoir qu'il découvre l'existence d'un complot contre lui. À Athènes, héroïsme signifie toujours la même chose. Conquérir le pouvoir à tout moment, de quelque manière que ce soit. La seule règle, c'est d'obtenir ce qu'il est possible d'obtenir et de se battre pour cela. Il faut foncer et montrer qu'il est possible de parvenir à ses fins. Le plus ambitieux des conspirateurs opposés à Clisthène a pour nom Isagoras. Isagoras fait partie de l'aristocratie athénienne. Lui aussi a été élevé, persuadé que le pouvoir lui revenait de droit. Néanmoins, il sait parfaitement qu'il ne peut conquérir le pouvoir seul. Il prend alors une incroyable initiative. Il cherche du soutien en dehors d'Athènes. Il envoie un message aux guerriers les plus redoutés de Grèce, les Spartiates. Isagoras est un vieil ami des Spartiates. La rumeur veut qu'il ait partagé sa femme avec le roi de Sparte. Ces féroces guerriers n'hésitent pas à lui fournir leurs meilleurs soldats afin de l'aider à conquérir le pouvoir et à trahir sa propre cité. Isagoras relève considérablement l'enjeu. En faisant entrer dans Athènes l'état le plus puissant de la Grèce, il est évident que la cité sera soumise à Sparte. Soutenu par les troupes spartiates, Isagoras peut réaliser le plan qu'il a échafaudé pour s'emparer d'Athènes. Lui et ses troupes ont pour objectif de prendre le contrôle du point le plus élevé de la ville, la forteresse située au-dessus de l'acropole. Le nouveau tyran choisit comme première cible l'aristocratie au pouvoir, et Clisthène le premier. Plus de 700 familles seront expulsées d'Athènes, y compris celle de Clisthène. Ce dernier est contraint de quitter sa cité, une fois de plus entre les mains d'un despote. Un despote soutenu par les Spartiates, les guerriers les plus redoutés de la Grèce. Les idéaux de Clisthène s'effondrent comme un château de cartes. Il
Il a été éduqué pour devenir un aristocrate, un chef d'État. Et suivre l'exemple des héros mythiques. Hélas, tout cela n'aura provoqué que conflits, rivalités, morts, exil et lutte de pouvoir. Comment extirper Athènes de ce cycle de violence futile ? Mais alors que Clisthène entame un exil déchirant, Athènes est frappée par un événement extraordinaire. À l'image des épopées d'Homère, le peuple d'Athènes prend sa destinée en main. C'est la révolution. Isagoras et ses alliés se réfugient au-dessus de l'acropole, le point culminant de la cité. Mais même là, ils ne peuvent échapper à la colère des Athéniens. Pendant deux jours et deux nuits, Isagoras résiste à l'incroyable insurrection. Il tient bon jusqu'au matin du troisième jour, jusqu'à ce qu'il soit contraint de se rendre. Nous sommes en 508 avant Jésus-Christ. Athènes vient de faire son premier pas en direction de l'Empire et de la gloire. Pour la première fois de l'histoire, le peuple s'est révolté contre ses gouvernants et s'est emparé du pouvoir. À ce stade, Athènes est sous le contrôle de la foule. La masse inorganisée s'est révoltée sans véritable chef. Mais la question, c'est que faire maintenant ? À l'aube d'une nouvelle ère, le peuple d'Athènes se tourne vers un seul homme. Un homme dont la vie, l'expérience et les déceptions l'ont doté d'une vision unique. Clisthène, l'exilé, est rappelé et se voit chargé de former un gouvernement. Lorsque Clisthène fait son retour après l'expulsion des Spartiates, il se retrouve face à un défi de taille. Il ne peut pas se contenter de remettre au pouvoir un groupe d'aristocrates. Pas plus qu'il ne peut se permettre de se déclarer tyran. Clisthène est contraint de trouver une solution gouvernementale révolutionnaire dans un contexte de situation politique révolutionnaire. Clisthène doit à présent permettre au peuple d'Athènes de prendre part à sa destinée, une exigence populaire qu'il partage. Sur le flanc d'une colline de la cité, existe un grand hémicycle sculpté à même la roche. Ici, dans l'ombre de l'acropole, les citoyens d'Athènes peuvent se réunir afin de débattre du futur de leur cité. Sur ces marches, riches et pauvres ont la possibilité de siéger et d'interpeller leurs concitoyens. L'ancêtre de notre Assemblée nationale, de la Chambre des communes britannique, du Congrès américain et d'autres parlements à travers le monde.
Là où jadis le gouvernement était constitué au fil du glaive, Clisthène institue le vote. Un galet blanc pour approuver, un galet noir pour rejeter. Par ce concept simple, Clisthène institue la volonté populaire, une forme de gouvernement nommée démocratie. La Grande Assemblée athénienne se réunit tous les 9 jours pour traiter des sujets concernant l'administration de l'État, tels que la collecte de l'impôt, la construction des routes, l'établissement du prix de la figue ou la déclaration de guerre. La démocratie athénienne est différente de celle que nous connaissons. Le citoyen athénien sait qu'il peut se faire entendre. Ce n'est pas le peuple contre les dirigeants. Le gouvernement n'est pas coupé du peuple puisqu'il en fait partie. La démocratie représente une très forte rupture dans une culture grecque de tout temps élitiste et baignée d'un idéal héroïque. Au terme d'un revirement total, même les Grecs appartenant à la masse, non aristocratique, dépourvus de richesses, pouvaient devenir des héros en politique. Cette nouvelle forme de gouvernement transformera la minuscule cité-État et donnera naissance à une des plus grandes civilisations au monde. L'apparition de la démocratie et l'incroyable développement de la culture grecque n'ont pas eu lieu par hasard. La démocratie contribue à permettre l'épanouissement de la société humaine, chose pratiquement impossible dans d'autres formes de gouvernement. Les Athéniens transformeront les grandes réalisations effectuées sous l'Ancien Régime. Ils s'inspireront des temples monumentaux et des pyramides de l'Égypte des pharaons pour créer une architecture pleine de grâce et de splendeur. Ils adapteront les mythes et légendes colportés par les aèdes ambulants en représentations théâtrales pour divertir la population. Et les magnifiques sculptures de pierre d'Assyrie et d'Égypte seront copiées avec une sensibilité et une émotion encore grandement admirées de nos jours. Mais tandis que la jeune démocratie de Clisthène n'en est qu'à ses balbutiements, à l'Est, une terrible menace se profile. Une menace provenant du puissant empire perse. Les Perses constituent la plus grande puissance de l'époque. Leur empire s'étend de l'Inde à la Méditerranée. Le développement et la stabilité de la cité d'Athènes inquiètent les Perses, qui considèrent le minuscule État comme une menace éventuelle. Dans la précipitation, ils décident de mobiliser une armée de 40 000 hommes afin d'envahir la Grèce. C'est le moment pour la jeune démocratie de Clisthène d'affronter sa première grande épreuve.